Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo dédiée spécialement à vous les Punisheurs. Pour la petite info, pour ceux qui nous suivent et qui nous ont pris en cours de route, donc pour la petite histoire de la team Punisher, j'ai créé la team il y a un peu plus d'un an, donc le 6 novembre 2014, à l'ouverture de Call of Duty Advanced Warfare, enfin au lancement de Call of Duty Advanced Warfare. Donc au début je l'ai créé sur Xbox 360. Donc vous avez pu voir en quelques mois le développement. J'ai fait une vidéo de présentation, donc notre première vidéo de présentation de la team au bout de 3-4 mois. Donc on était à peu près une dizaine sur Xbox 360. Au bout de, au bout d'un an maintenant, à partir de jusqu'à aujourd'hui, maintenant nous sommes sur les 4 plateformes, enfin sur les 4 consoles. La plateforme PlayStation 3 dirigée par Christophe. La plateforme PlayStation 4 dirigée par Damien. La plateforme pardon, Xbox 360 dirigée par Antoine. La plateforme Xbox One dirigée par moi-même. Donc voilà, la team s'est vraiment bien développée. J'en suis super content et super fier. Et on a une super ambiance sur toutes les plateformes. Tout se passe super bien. Donc je suis super super content de tout ça. Donc je vais en profiter pour cette vidéo, parce que je sais que vous êtes super pressés, ça fait un moment que j'ai annoncé que j'allais sortir cette vidéo de présentation de la team. Je sais que vous êtes pressés, donc je vais vite finir pour que vous puissiez voir cette vidéo. Juste avant, donc, vous annoncer quand même les futurs projets qu'on a pour cette année 2016. Qui vont arriver prochainement. Donc le premier qui arrive prochainement, ça va être les t-shirts. Les t-shirts pour chacun des membres de la team. J'ai préparé le premier, voir ce que ça donne donc sur moi. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le t-shirt. Et si ça vous va, pardon, vous pourrez l'acheter. Donc c'est ça. Ensuite, l'ouverture du site de la team, site officiel de la team Punisher Gaming, qui est en construction et qui va être fait en début d'année. Le lancement, juste avant ça, bien sûr, le lancement des équipes compétitives pour la compétition de la team Punisher Gaming, sur PlayStation 4 et Xbox One. On a commencé à faire des fiches techniques pour ces équipes. Il nous reste plus qu'à finir de former ces équipes et de commencer les entraînements. Projet qui se met en place aussi. Les projets pour pas que j'oublie. Gros projet. Faire de la Team Punisher Gaming une association à part entière, reconnue par l'État français. Sous loi 1906, donc une association comme une autre, hein, mais une association reconnue par l'État en tant que club de gaming. Voilà, pour une reconnaissance envers l'État français. Dernier gros projet qui devrait se faire durant l'année 2016, en tout cas je vais tout faire pour, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent et qui veulent ça, et je vais tout faire pour, ça serait un rassemblement de la team Punisher Gaming en vrai. Rassembler le plus de Punisher et de Punisheuses en France, dans un endroit en France ou un événement. Alors il y a plusieurs projets, c'est soit on se réunit autour d'un barbecue, on fait un bon barbecue, on discute, on se rencontre, on tisse des liens encore plus forts qu'on a actuellement à travers les jeux. Et puis aller se faire un petit paintball ou laser game ou un truc du genre Call of Duty un peu, mais in real life. Donc voilà, histoire de bien rigoler et puis de s'amuser entre nous. Ou deuxième option, se rencontrer à un événement Call of Duty, comme par exemple, je pensais à l'ESWC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le championnat du monde de Call of Duty. Donc c'est le deuxième plus gros événement de Call of Duty au monde après le Code Champ. C'est se réunir entre Punisher pour assister à des matchs pro. Voilà, le projet. Final donc de cette année 2016. J'espère qu'il va se concrétiser. On va tout faire pour. Sans plus attendre, je vous laisse voir cette vidéo de présentation de la team Punisher Gaming 2016. Et n'oubliez pas, lucides et vaillants, nous vaincrons! Salut, c'est Chris, alias Dark Punisher.
Je suis le chef de la plateforme PlayStation 3 de la team Punisher Gaming et voici mon équipe. C'est niqué là! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer quelques petites versions aussi.
Yo tout le monde, c'est Antoine alias Tonio007. Et oui, pas Tonio25, les rageux Kikou qui diront plagiat, bah cassez-vous. Et donc bah, je suis le chef de la plateforme 360 de la team Punisher. Et voici mes membres. C'est Damien alias Lutz29, je suis le leader de la team PS4 et voici mon équipe.
PMU, c'est le mec qui t'en écrit. Salut, c'est Nico, alias Punisher Draken. Je suis le chef de la team Punisher Gaming sur Xbox One, et voici mon équipe.
bonne chance à tous. Je vous souhaite bonne chance à tous, bonne chance à tous les Pinichers. Ça y est les Punishers, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté à la faire. Et donc là, donc n'hésitez pas à la faire partager à vos proches, à votre famille, à vos amis, à tous ceux que vous appréciez pour leur montrer de quel team vous faites partie. Et à tous et pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de la team. On va envoyer du nouveau contenu à partir de 2016, des nouvelles vidéos, des nouveaux gameplays, commentés. Donc on va envoyer du lourd si vous préférez. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao.